Laver son véhicule, arroser sa pelouse ou encore remplir sa piscine, si vous habitez certaines communes du Haut-Rhin, tous ces gestes vous sont désormais interdits. Et pour cause, la sécheresse est telle qu'il va falloir faire attention à son usage de l'eau. C'est ce qu'a annoncé la préfecture du Haut-Rhin. Et c'est dans ce contexte que le feu d'artifice de Ribeauvillé a donné lieu hier soir à quelques départs de feu dans les vignes. Explication Mickaël Martin et Vincent Lemiel. Hier soir, le feu d'artifice de Ribeauvillé est interrompu. Près de 20 départs de feu à proximité du pas de tir au milieu des vignes provoquent une épaisse fumée. Les retombées des explosifs ont embrasé des herbes sèches, à chaque fois quelques mètres carrés calcinés et des pieds de vigne abîmés. L'intervention des pompiers a empêché la propagation des incendies. On s'est fait surprendre tout simplement parce que nous pensions que c'était vert, que tout était vert, que l'incendie ne pouvait pas prendre. Mais je pense que ce qui est important, c'est de faire de la pédagogie, de démontrer que ce n'est pas parce que c'est vert qu'il ne se passera rien, il faut être d'une grande vigilance. Les herbes sèches aujourd'hui peuvent mettre le feu à n'importe quel endroit dès lors qu'une étincelle la provoque le feu. Voilà. La mairie a-t-elle manqué de discernement alors que le Haut-Rhin est placé en alerte sécheresse? 263 communes sont concernées par des restrictions d'eau. Il est interdit de remplir sa piscine, interdit aussi d'utiliser le tuyau d'arrosage pour son potager en journée. Pas de problème pour ce jardinier qui préfère de toute façon l'arrosoir. Économique et plus intelligent et on arrose jusqu'à ce qu'il nous faut. Et pour limiter encore l'usage de l'eau, il existe d'autres réflexes simples. J'ai paillé. J'ai mis de la sûre, j'ai mis du crottin déjà dessous et j'arrose tous les deux jours pour l'instant, avec la chaleur qu'il fait. Et c'est mouillé, hein, au bout de deux jours, c'est encore humide. Dans les prochains jours, Météo France annonce des pics de chaleur et une absence de précipitations. Les restrictions d'eau peuvent durer jusqu'en octobre.